YouTube, Salut YouTube! YouTube, je t'ai déjà dit salut, oui, mais on le refait parce que il y a Ah! eu des préparations trop longues après. Ça Donc tient du mangou. voilà. Alors on réagit au Nintendo Direct. Coucou YouTube! Oh, t'as fait des bloopas YouTube! Je l'ai Ça c'est cool! raté, donc on se rattrape. Et voilà, bon, Oui. c'est tout. C'est parfait. Je vais mettre le chat sur mon téléphone, comme ça je pourrais profiter de YouTube à fond, bien sûr. Quoique, attends, si je fais ça. Ça me l'affiche, C'est très pareil. facile. Putain, c'est beau la technologie. Test de Un, décalage, deux, un, vas-y, deux, 10. test. 18. On dit quoi? Nintendo Gna font du PEGI 18 maintenant, ça a donc bien changé, Nintendo. gna gna. Oh, sexu! Oh, c'est tellement sexy. Oh putain, c'est du 60 FPS! Je m'en remets pas. Depuis quand Nintendo connaissent le 60 FPS? Je pensais qu'ils étaient capés à 15 avec Breath of the Wild. Je rigole, c'est bon, je rigole, je rigole. Minasan, konnichiwa. Déjà commencé à. Puis on a juste vu le Nintendo vidéo, Direct le no logo du annai début, yaku o puis on tsutomemasu, chiante déjà Nintendo, Takahashi c'est desu. cool. Onajiku annai yaku o tsutomemasu, Koizumi desu. Et les deux. Nintendo Switch va Sympa. hasbai kara 5 nen ni narimasu ga, Ils ont tellement okareza l'air ma de heureux là. sekai juu no Oh, izon lui la là, kara izon. il Ils vivent réussit leur meilleure vraiment vie tout là. l'épuisement Nintendo Game professionnel et la Tsushin no tristesse toi. profonde et infinie. 50 de vide pour la Switch. Hein. Ouais. Minasama, Ah, hontou c'est ni déjà arigatou gozaimasu. une vieille console. C'est vrai que Et vraiment, il y a j'aurais dû trop. vous dire quand est-ce que je lançais le Switch live en va. fait. Nintendo va Ouais, tester sur Switch au daké de il Nintendo y Switch. aura le décalage, ouais. Bon, c'est Ah, ça. Ah, ça va. Tu vas nous voir oui. réagir en retard, mais c'est parfait parce que toi, tu vas pouvoir réagir en premier. Oui. Voilà Oui. comment c'est génial. C'est une sorte de barrière anti-spoil. Voilà. Aïe Sauf pour aïe la trilogie All-Stars de aïe 2021. aïe. Imagine si ce serait vrai, à Ouh, quel point cette tu année! m'haïrais. Parce que Intéressant. c'est une raison. Ce qui est face à sourire. C'est un peu comme Ouais. avec Joueur du Grenier, Il y a disque. leur famille dans une cage, puis c'est comme si tu souris pas, puis tu dis t'as pas l'air heureux, puis hype. C'est. Attention, premier jeu. Nous allons évidemment commencer par un nouveau personnage dans Smash. Comme à chaque direct. Je sais que ça te Gaëtan rend dans hype, une hein, heure? ce jeu-là, Oui, à mais. peu près, oui, à peu près. C'est Ganondorf, ça, il était déjà dedans. J'ai mal piqué. Oh, c'est. Bah non, c'est pas Zelda. Lol. Ah, c'est le remaster de Twilight Princess, bien sûr, c'est vrai. Il a bien changé. J'ai hâte de le dire. J'ai pensé que c'était quel personnage. Parce que. Je sais pas. Je n'ai pas connu c'était qui. Est-ce qu'on appelle ça être Ah! prévisible ou bien. Ah! C'est le Parce que personnage moi, de j'ai Tekken! dit Ah, ça! Ace Attorney. Ah oui, ah, La version genre. il ressent, il y a les mêmes cheveux, on va l'avouer. Ah! On va Oui, savouer c'est ça, qu'il a la la même version coupe. mad. Voilà. La version Justement, il mad. n'y avait pas assez de personnages de jeux de combat là. Ils Ouais. avaient Ça jamais fait 4 Ken et maintenant. Ryu et là, il y a Yakuza quoi. Bah, il y a Terry. Hein. Oui. Oui. Hostile. Putain, mais qu'est-ce que vous faites comme sondage à la con encore? J'arrive même pas à les lire. Fait ce qu'on veut. Est-ce que j'ai apprécié le Quand celui direct? d'avant a bien C'est gagné. vrai que j'ai même pas dit Trop mes exigeante. attentes. Alors moi je m'attends à Twilight Princess HD vendu plein pot sur Switch. Histoire d'être scandalisé. Et je m'attends à Skyward Sword HD. Bien sûr. Et je m'attends à Oh, de plein pot. peut-être une date de sortie pour Breath of the Wild 2. Mais je pense que je dream. Mais j'aimerais au moins voir un trailer de Breath of the Wild 2. Au moins un trailer. Fait que Donc d'après que toi, du tu veux Zelda quoi. juste Zelda. Ah moi C'est ça. Zelda c'est ma vie. Zelda c'est la vie. Écoutez. Oui. Après bon, si jamais ils arrivent à caser une image de Metroid Prime 4, dont on n'a plus entendu parler depuis des années, ce serait très bien aussi, hein, mais. Bon, enfin, on a du Tekken sur Smash, quoi. Qui est un peu long. Voilà, on a. Nouveau personnage Smash. C'est le début du direct, hein, ils font ça depuis des années aussi, donc. Oui. Pas étonnant. Black screen de Naiko, ça me le fait aussi maintenant. Ah. Oh, le petit C'est bon, Kirby! c'est revenu. Oh, petit Kirby! Non, ça va. Ça va, mon PC tient la Il y route. aurait peut-être une arène avec d'ailleurs qui serait assez classe. Bah Oh, oui, on l'a pauvre vu en Kirby. plus, je suis complètement con. Bah oui, ils étaient dedans. Il a revolé. Il y en a Vous avez toujours vu, des Kirby arènes. s'est envolé. Bah Oh, ouais, je elle suis est pas prêt. malade. Oh, Ah, moi, il ça est. me fout Ah, mortellement c'est rendu parce qu'il lui! a Putain, droppé c'est lui qui est. Kirby. Il est menacé par des Ah, fusils c'est bon. Nintendo à chaque année pour dire: Fais un nouveau personnage là! Quoi, Fais un nouveau jeu! c'est toujours pas Voilà. validé cette année Voilà. Smash là. On veut tel personnage. On veut tel personnage et pas un autre comme ça. Lui, il est clairement menacé à Ah lui il gunpoint. est gonasse, il est gonassé, oui tout à fait. C'est menacé par un gun, c'est gonassé. Bah, c'est. Là regardez-moi ça, tous les coups C'est ça. spéciaux seront dans Smash. Smash n'est plus Smash finalement. Finalement, c'est un direct que Smash.
Bah c'est ça quoi, ça fait beaucoup de personnages de jeux de con quoi, c'est bien de faire des références mais... Il y a autre chose aussi. Ça va finir comme Fire Emblem, parce que les persos ils se ressemblent tous à force. Non. Arrêtez de dire ça. Est-ce que tu veux faire quoi? Bon donc le direct c'est après, ça, c'est ça le... Je pense que... C'est ça, que c'est 40 minutes. C'est ça. Parce que le temps qu'ils montent tous les coups, on a le temps. Avec 300 milliards de personnages en DLC. Ah, il peut... Oh, le démon des ciseaux, incroyable. Ah, d'ailleurs, j'ai même pas work avec le bot, merci de me le rappeler. Ah non, mais je veux pas aller sur le Discord, on sait jamais que j'ai des spoils. Bah, si c'est juste pour aller sur travail, ça. On serait vraiment cru dans Tekken. C'est vrai. Ah, c'est le but, je pense. Mais c'est le but. Non, il n'y a pas de Discord de Zelda. Non. Ou être un itinérant non. Entre Discord. De... Merci, Discord monsieur Sakurai. Vous aurez votre grain de riz ce soir comme repas. Voilà. En attendant le prochain personnage, bien sûr, le prochain direct. Un DLC payant, bien évidemment que ce sera un DLC payant, ça sera attendu à quoi? Ah oh bah 5 euros quand même. Mais c'est dans le Fighter Pass donc. Ouais, mais 5 euros le perso, voilà. Alors, ah, attention, première volée d'annonce, c'est y par, bien sûr. Et là, le jeu devient anglais. Alors cinématique du jeu, hein, il le précise quand même en haut, hein, ce n'est pas du moteur in-game, hein, rêvez pas trop. Hein. T'as trouvé c'est quoi le jeu? C'est beau. Ah oui, je m'en suis douté en plus en voyant le train, Life is Strange. Oui, Life is Strange. Mais du coup ça c'est des images tirées du jeu. Je ressemblais pas à ça de mémoire. Ah, c'est True Color, c'est Remastered Collection. Mais si le jeu ressemblerait à ça, pour de vrai, moi je l'achèterais. Alors Life is Strange que j'ai vu, oui, je l'ai vu en let's play, il était très très bon. Bon, c'est un jeu narratif par contre, hein, faut aimer quand ça bouge pas. Hein. C'est à la Until Dawn un petit peu, mais ouais. Oui. Mais en mieux. Oh, un peu plus... En plus de choix, mais plus de liberté quand même, voilà. Oui, ouais. Même si les jeux Remaster du 1 et le 3. Le 10 septembre, ouais, mais ça arrive en plus. Ça a été fait sur Paint, j'en ai aucune idée, Naiko. Faudra demander à ceux qui ont fait le jeu là. On demandera ce qu'Aurélie. Sur Paint, je me sens vraiment mal de Nintendo Switch sur Paint. On a tous les goûts sur Nintendo Switch, regardez. Maintenant, il y a Marvel's Guardians of the Galaxy. De la conférence Aurélie qui avait passé. On n'a pas eu assez de Marvel à l'E3. Ah ouais. Du coup, on va regarder, un blog. Oui. C'est pas un chien. Est-ce que vous aimez Marvel dans le chat? Les animaux, ils sont mignons, quoi. Ouais. Enfin, sauf le lama, parce que... Le lama, man. On a Worms, Rumble. Oh, Worms. Ça a l'air. Donc t'as pas fait ce choix. Ah, de ça, Naiko, c'est la discussion de chacun. C'est ça. Mais c'est juste pour dire qu'il y aura les deux sur Switch. Putain, le ourson patchwork, waouh, je suis choqué. C'est le quad nounours. Alors, pour le moment, ça donne quoi? Pour le moment, on regarde là. Oh, ça a ramé. J'ai tout vu, ça a ramé sur la vidéo. Oh oui, oui, ça a ramé. C'est incroyable. Ah, je me disais bien que le 60 FPS n'allait pas être supporté. La magie de la suite. Regarde, pour Naiko, un autre jeu fait avec Paint. Oh, ça rame tellement du cul. Ah non, je dois rêver, c'est mes yeux qui rêvent sans doute. Enfin, c'est bien ce que Wizard disait, il y a plein de jeux qui rament du cul, hein, finalement. Je l'avais pas vu. T'es spoil? Non, pas du tout. Ah, Sega, Two Punch Campus. Ah oui, j'avais vu un trailer de ça aussi. Je l'avais vu déjà. Ça a pas l'air ouf. Bah, faut aimer les simulations et moi je hais les jeux de simulation donc. Ah bah, pardon. Ouais, mais ça a l'air d'être too much. Ah, il y aura du Cookser visiblement. Il y aura du Cookser. Bon, on est sûr au moins que graphiquement la Switch va le supporter. Oui. C'est l'avantage. C'est YouTube qui lag. C'est basique que ça passe. Une série adorée de tous.
écoutez, c'est sans aucun doute un jeu de course très connu. Le retour de Star Fox, c'est Banana. Ah oui, c'est mon petit bol, oui, bien sûr. Je rigole, c'était une blague, hein, calmez-vous. Tu la suite de suite. Ah, c'est un remaster de Monkey Ball. Mais ouais. C'est trop beau. Au moins, ça fait des nouvelles licences qui viennent sur Switch. Enfin, c'est pas des nouveaux jeux, mais. Mais tu vois, je pensais pas qu'il y en avait eu autant des Monkey Ball. Je sais qu'il y en a eu. De mémoire, j'en connais 3, mais j'avoue que je savais pas qu'il y en avait eu autant que ça. Là, il y en a genre 8 là. Ah ouais, bah là. Mais. C'est des jeux vachement. Mais j'avoue que ouais, Monkey Ball, j'ai déjà joué sur GameCube et c'est assez vénère. Et justement, ouais. C'est. Bah, j'avais joué à Aventure sur GameCube qui était. C'est un sort de best-of, justement, des anciens. Donc, c'est ça les rumeurs qu'il y avait sur un nouveau jeu Donkey Kong Country. En fait, ils avaient vu des bananes, mais c'était Monkey Ball finalement. Oui, c'est ça. Oui. Tu vas avoir la banane. That is cool. Ah, un Mario Party peut-être. Bah oui, bien sûr. It's a superstar collection of Mario Party. Au revoir, Lady. Oui. 5 plateaux classiques de la. Oh! Ils ont su que faire des nouveaux trucs, c'était de la merde à chaque fois. Du coup, ils prennent les anciens. C'est ça en fait. Est-ce que ce Mario Party va enfin avoir un quelconque intérêt avec ces plateaux? Eh ben, c'est les plateaux à l'ancienne. Oh, du Tetris, oh non. Du Tetris. C'est mini-jeu à l'ancienne aussi. Et justement, vous connaissez le Mario Party 100 machin. Oui, les 100 meilleurs mini-jeux, oui, j'en ai entendu parler. Ouais, Mario 100. Énorme arnaque. Oh, c'est de la merde. Hein. On peut le dire. Bah, c'est littéralement ça, mais en mieux. Bah, t'as le plateau, quoi, qui va avec. C'est ça. Sauf qu'on peut aussi. Ils font des bruitages comme en ligne. Putain, mais c'est fou comment le jeu. Je veux pas être une mauvaise langue, mais t'as l'impression qu'on dirait un jeu oui hein, quand tu le regardes. On dirait un jeu oui, c'est extraordinaire. Mais c'est Nintendo. C'est extraordinaire. En vrai, même tu peux jouer en ligne et sauvegarder tes parties en ligne avec tes amis. Multistream avec Loulou, j'ai l'impression que même les mains en partie de la Wii avaient une meilleure. Qu'en avez-vous pensé pour l'instant? Oh putain! Oh! Enfin! Enfin, bordel! Putain, on va avoir autre chose qu'un logo! Ah non, ce sera un autre. Bon, calmez-vous, taisez-vous. Bah non, c'est niquez-vous. Voilà. Mais il y a un autre Metroid, attention, autre Metroid, calmez-vous. Et là, ce sera un remaster du premier ou du deuxième finalement. Ouais, il y a déjà eu sur 3DS. Ouais, mais ils peuvent le refaire sur Switch. Metroid 5? Ah, donc ils font Metroid Prime 5 avant de faire le 4. Non, je rigole. Mais oui. c'est un Metroid 2D. En tout cas, il est très joli. Hein. Ouais, ça doit être fun, Nini. Bah, je sais même plus. Mais l'esthétique est vraiment belle. Ça a bien évolué. J'ai jamais accroché à Metroid perso, mais moi, j'aime. Ça fait des nouvelles licences pour la suite, enfin, pitié quoi, parce que... Moi ça va, j'avais un peu joué à Super Metroid et je me suis bien amusé. Bah j'ai jamais joué non plus, mais il semble totalement invincible. C'est Metroid Nemesis finalement, voilà, mais c'est ça. C'est Metroid Nemesis. Cours après, il te lâche pas. Ouais, ça a l'air tellement angoissant. Ouais. Metroid. Le Metroid Dread. Un de plus qui te tenterait, ouais. Bah ça serait cool. Faut voir. Bah il a l'air d'être bien avancé donc. Mais ça c'est une surprise, avoir un Metroid sur Switch là et tout, s'il sort cette année, bien joué Nintendo. Ouais. Vous avez réussi à m'impressionner. Il a l'air vraiment cool, ouais. Mm-hmm. Ouais. Alors je ne suis pas le public bien sûr, parce que Metroid moi voilà, mais. C'est fun pour la Switch, quoi. Ça fait 19 ans qu'ils n'ont pas eu que le 2D. C'est ça, quoi. Les au bout d'un moment, il faudrait peut-être en faire. Pour, hein. Ouais, si on compte pas le. Ah, par contre, j'ai l'impression qu'il y a des. Il a des sauts de frame le jeu. Bon, j'espère juste que c'est YouTube hein, ou le stream. Hein. Ah, j'ai pas vu tout à l'heure quand j'ai regardé. Donc. Dread. Ah, les robots sont tellement horribles. Ouais. C'est Dread.
Ah bah voilà, regardez-moi ça, le 10 août ou le 8 octobre, on ne sait jamais hein, les dates, comment ça marche. Depuis presque 19 ans, bah oui, tout à fait, Adé, bien vu. Ah, je pensais qu'il t'avait dit. Bah, t'es impressionné, justement. C'est cool, bravo, bravo Nintendo. À Metroid, félicitations, les fans seront contents, le public sera très content de ça, et ça fait plaisir. Pas que de la merde. Ça fait plaisir, il n'y aura pas que de la même. Mon Monkey Ball aussi était intéressant à voir. Ouais, c'est une bonne surprise. Ouais. Arrêtez de jouer à des triple A. Non, mais je joue pas à des triple A, je joue à des jeux rétro, Nike. Pas pareil. Allez, il y a d'autres annonces, c'est parti. Allez, les bien sûr. Ces séries familières sont de retour. Et là, ils ont tout fait. Un nouveau Star Fox, un Just Dance, bien sûr, c'est vrai que... L'anniversaire de Zelda, on connaît pas. C'est vrai que c'est les 35 ans Zelda. Oui, mais ça va venir après, calme-toi, Adé. Just Dance, là, c'est hypant. Ça aura l'air bien. Hein, parce qu'il y a encore des jeux qui sortent sur Wii. Hein. Ah bon? Non. Ouais, c'est non, Just Dance non, sur Wii. Non, c'est plus le cas. Le 4 nouveau. Ah ouais. Depuis 2019. Ainsi que Crazy Blast à l'automne. Oh, ça alors. On aurait dit Star Fox. Hein. Ah, c'est pas Burnout, mais en coloré. Just Dance. Avec wow, trois petits points. Tu n'as pas vu le direct, Naiko, je pense. Bien, tu es une extrêmement bonne comédienne. Oh, Dragon Ball Z. Incroyable. Incroyable. Ils vont faire... ah oui, Kakarot. Et a New Power Awakening 7. Il va bien ramer sur Twitter. Yeah. Ah, il va bien ramer. Il est sorti. Quand ce jeu? Il y a 2 ans, peut-être. Ben, ça commence à faire rouge. Ouais. 2020. Ah non, pas tant que ça. Je pensais que c'était plus vieux que ça. Alors, étrangement, de ce que je vois, il n'a pas l'air de ramer. Ce qui me met sur le cul quand même, qu'il soit supporté. Ah, quoique, non, j'ai rien dit. Bah voilà. J'ai rien dit. La désillusion. Relais. Danser sur tous ces grands rythmes fans, dont Ozuna. Qui, c'est ça? Quoi? Je sais pas, je disais les noms des jeux. Okay, d'accord. Oui. En plus, c'est tous des jeux qui arrivent bientôt, qui arrivent vers la fin de l'été, c'est fou ça. Ah, Mario Golf, ils en avaient pas déjà fait un? Ah oui, mais il l'avait annoncé, oui, il l'avait annoncé. Just. Il y a pas longtemps. Il l'avait annoncé pour le live des 35 ans de Zelda, hein. Aucun sens. Nice vrai, shot! Cool. J'aimerais bien avoir les voix de Wii Sport là. Ouais. Faudrait mettre des modes là pour y ajouter. T'avais déjà vu, d'accord. Tu es une bonne comédienne, Neko. Oh oui, smack your balls, hein. Always. Always smacking your balls. Oh, okay. Ah d'accord, et sinon t'as des pouvoirs parce que c'est un petit peu de la course aussi, hein, pour se rendre. Où est ta balle? Oh putain, y'a du pipa en tout cas. Ah, c'est pas Covid Aid, hein, ça paraît ça. Or Covid arrière. Y'a Pauline. Regardez, y'a pas que des personnes. Ouais. La boule peut rebondir sur l'eau, bien évidemment, hein, c'est magique. On peut jouer avec notre Mi. Et on peut jouer à New Donk, dans New Donk City. Faire chier toute la circulation. Voilà. Non, mais ils ont tout fermé, hein. Tout fermé les routes pour la compétition de golf annuelle. Les fenêtres. Oh, oui. C'est important. Il est BG Bowser. Il y a j'avoue qu'il avait une tenue tellement incroyable. Il y a. Après, pour la chevauchée de votre vie, Lady. Monster Hunter Stories 2. Ok, d'accord. Regarde, il y a des dinosaures. Tu vois? Waouh! J'avais bien fait de la mentionner. Les dinosaures. Il court tellement. Il a fait disparaître un palmier. Par contre, l'effet quand tu prends un truc est assez nul. Hein. Le truc disparaît quoi, c'est Mimimati. Mimimati édition.
Ah, le lune du cerveau. Double attack. Oh, c'est beau quand même. Zinogre. Okay. Ouais, ça doit être dans la continuité du 1, quoi, j'imagine. Bon, c'est des résultats pour les dinos. C'est bon, Duskelda, Duskelda, je connais pas, je connais pas, je connais pas, Duskelda, laissez-moi tranquille. C'est les dinosaures avant les monstres. Voici Gamot. L'éléphant qui est sorti de l'œuf, je le trouve vraiment horrible. Préparez-vous, Rider. Un œuf de Togepi sans doute. 9 juillet, putain c'est bientôt. En même temps il l'avait déjà annoncé je pense. Ah il y a une démo. Allez on va jouer à la démo là, vous allez voir, je vais rien comprendre. Je vais écouter, c'est mon premier Monster Hunter, ça va bien se passer. De Capcom d'hier. C'est même pas un vrai Monster Hunter. Ah Wario, WarioWare. Oh, c'est incroyable. Wario. Wario. Avec la voix de mec bourré. Ah, pour les monstres. Moi, je fais juste te dire, qu'est-ce qui a inspiré les monstres de Monster Hunter? Les dinosaures! Eh ouais, le nouveau. Le nouveau WarioWare, c'est incroyable! Alors, espérons qu'il sera aussi bien que Smooth Mouvement en douceur. Hein. La voix est horrible, non? Bah si, hein. La voix est clairement bizarre. C'est ma voix. Moins... Une pub. Ah bah, voilà. Mais au moins, c'est plus un best-of que Gold sur 3DS. Ouais. Putain, c'est cool. Putain, ce Nintendo Direct me surprend. Putain, moi, je n'en attends... Voilà, tu vois, Nini, je n'en attendais rien. Et je suis heureux. Voilà. C'est cool. Enfin, ouais, c'est cool. C'est que le début. Ce n'est que le début. Oh, un petit bébé. On peut pas le mettre dans le congélateur, malheureusement. Get it together. C'est 10 septembre. Mais attends, il y a plein de jeux qui sortent le 10 septembre, non? On l'a pas déjà vu, cette date. Ouais. C'est un jeu par jour. Tous les gros jeux sortent le 10 septembre. Mais ils sont retenus de sortir tout à la fin de l'année. Ils n'ont pas fait d'annonce au début. Oh. Des mini-jeux inédits, vous pourrez contrôler Wario, ouais. Parce que là, pas de surprise. Mode coop de joueurs, oh putain. Le mode avec Michel, là, je le sens tellement bien. Ou avec Lady. La belle coop. Encore Lady. Non mais c'est cool, WarioWare, j'ai toujours... C'est un petit peu comme Rayman, mais en plus déconnecté encore. Ah, oula, attention, un jeu sombre. Les métros japonais. Ah, c'est le nouveau. C'est comment qu'il s'appelle ? C'est Yandere Simulator, voilà, c'est le nouveau Yandere Simulator. Ça fait beaucoup de gens à tuer. Hein. C'est Persona. C'est Persona. Le jeu, il a bien changé, hein. C'est Donkey Kong Country. Ah, c'est ça le All Stars Donkey Kong, finalement. Elle va arriver dans la jungle, voilà. Et oui. Et oups, c'est Donkey Kong qui traverse le mur. Dans le désert, là. Le nouveau Tokyo. Oh putain, mais on dirait les trucs du labyrinthe là, quand c'est dans le désert avec les zombies et tout. Un autre Tokyo. Post-apocalyptique. Et de Donkey Kong. Arrêtez. Arrêtez avec Donkey Kong par pitié. C'est vrai qu'ils avaient dit qu'il y avait un nouveau jeu, mais comme j'ai dit, c'est peut-être Monkey Ball qui ont vu des bananes. C'est Shin Megami Tensei 5. Oui. Je ne connais pas du tout cette licence, donc je ne peux pas dire... Est-ce que tu as trouvé ça moche? C'est vrai qu'on dirait un jeu Wii aussi, hein. On dirait un jeu Wii, mais il est plus beau que Pokémon épée bouclier, c'est paradoxal. Ouais, hors des combats, parce que... Justement, le jeu exclusif à la Switch. Regardez ça, il y a une faiblesse à chaque monstre, c'est incroyable. On n'a jamais vu ça dans un jeu de rôle, jamais. Les animations d'attaque, je les trouve vraiment moches, hein. Du créateur de Persona, ok, ok. Oh, il y a une petite fée insupportable qui s'appelle Pixie. C'est un démon apparemment. Ah, c'est Undertale, tu peux parler avec les gens. C'est ça, et tu peux recruter les démons adverses. Il reste mieux que Pokémon Remastered Diamond Pearl, je sais pas. D'accord. Onmoraki. Oh, il a une tête vraiment dégueulasse. Hein. Ah poulet bizarre, là. C'est un peu l'ancêtre de Persona. Le mix entre un poulet et un poireau.
Les animations de combat sont vraiment belles. Vous avez vu ça, Trash Talk? C'est la série que j'aime. J'ai pas Trash Talk. J'ai dit ce que j'ai vu. Et j'ai dit que mais je connaissais non, pas. Mais... Désolé, les animations de combat sont moches, je trouve. Ah, Adé qui dit la même chose. Pour l'instant, le jeu est pas sorti. Le jeu est pas sorti. Adé a dit qu'il allait dire la même chose que la première fois qu'il a vu le live. Donc, on dirait le truc de Concorbation. Oh, la tour Eiffel! Putain, il y avait la tour Eiffel. C'est pas la tour de Tokyo? Ah, oui. C'est la tour de Tokyo, du coup, oui. Ouais, merde, c'est bon, calmez-vous, calmez-vous. Ah, ce n'est pas le 10 septembre, ça me choquait. Oh. C'est une exclu Switch, d'ailleurs, incroyable. Ah oui? C'est signé Atlus. C'est normal que ce soit aussi moche. Aïe, 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 aïe. J'ai rien dit, hein, j'ai rien dit. J'ai dit qu'on aurait dit un jeu Wii, bon, j'ai tout ce que j'ai dit. Ce sera sur Switch Pro, ce sera beau. Ouais, ouais, ah oui, la fameuse Switch Pro, est-ce que Siphano avait raison? Le prophète? Ah, Danganronpa! Putain, j'en connais un qui adorerait ça. N'est-ce pas, Splatoon? Il a dit au début du film, des jeux. Est-ce que c'est personnage est Wizra? Non. Ah, c'est le petit ourson. Ah, qui devient le juge. C'est Monokuma. C'est la décadence. Trois jeux? Ah, des remasters. C'est tellement la décadence dans le monde de Danganronpa. Ah bah là, bah c'est Ace Attorney, mais en mieux quoi. Je connais pas Danganronpa. Bah, triste. C'est des phases de tribunal à la Ace Attorney, mais en plus avec des phases d'exploration. En 3D. Il a parlé de trucs pas Charlie. Comment ça? Je sais pas ce qu'il a fait, moi. J'en ai rien à foutre. Ah, sur Twitter. Je vais le tweeter. Oh. Oh. Objection! Ah non, c'est pas ça. Le Twitter, c'est autre chose, c'est un autre monde. Are you ready? Ah, et voici un plateau de Mario Party, finalement. Voilà. Ah oui. Oh, regardez ça. Le... C'est incroyable. Danganronpa Amiibo Festival. Putain, là on dirait... voilà. Tu veux pas encaisser le chèque? Aïe 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 aïe. Bah je pense que si. Il a touché le chèque. Et oui, il a touché le chèque, il le dit. Et il en a rien à foutre. Courant 2021. Ok. Regardez ça, regardez tout ça sur le eShop, bien sûr. Vendu à plein prix. Donc t'as la compile en physique et les gens par un sur l'eShop. Sur l'eShop, ouais. Oh, Project Zero, intéressant. Ah, j'étais tellement high. La prêtresse des honneurs. Bon, c'est un jeu Wii U. Bordel, ils le ressortent sur Switch. Oui. Mais j'ai pas eu de Wii U, laissez-moi acheter des jeux quand même. The Portage Time. Putain, Miss Sharingan, elle a pas arrêté de m'en parler de ce jeu-là. Elle dit, ah, c'est dommage qu'il soit que sur Wii U, je peux pas y jouer du coup. Et là, voilà, elle pourrait y jouer maintenant. Elle sera, il sort sur Switch. Non, mais laisse-nous y jouer en paix, Monsieur Zeldo. Vous, Zeldo. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est la seule fois que je suis hype sur ce jeu-là, parce que j'ai pas eu de Wii U, puis je voulais pas m'en acheter une, fait que là je vais pouvoir enfin jouer. Mais je le sais. Je vais faire la même chose, d'abord je vais l'acheter en même temps que Breath of the Wild. Tu vas faire comme Michel Ngan, hein, voilà. Ce sera parfait. Oui, je vais faire pareil. Vous pourrez jouer ensemble. Je vais jouer ensemble. Vous pourrez jouer ensemble, bien sûr. Mais oui, on va se faire des séances ici, c'est mis sur le Discord. De quoi? Oh, ce qu'il a fait, Sif. Oh, j'en ai rien à foutre. Ah, des jeux et des DLC, attention. Eh oui. Le DLC de Bethesda, de Doom. Bethesda. De Bethesda, ouais, de la société elle-même, voilà. Bah vu que maintenant Doom est qu'un DLC de Microsoft. Oui, ça c'est autre chose. C'est quoi annoncer un nouveau Ratchet & Clank sur Switch? Ah bah, ils vont sortir Rift Apart finalement. C'est ça. Comme toi, Zelda. Quoi, comme moi? Bon, c'est deux, on attend Ratchet & Clank? DTC à la société? Quoi? Oh, qu'est-ce que Tony Hawk Pro Skater. J'ai dit quoi? On va pouvoir grinder dans le campus. Ah ouais, grinder des gens sur le campus. Tu sais, Nini, j'ai une mémoire d'à peu près 2 secondes et demie, hein, donc je ne me souviens plus du tout de ce que j'ai dit.
Quoi, ils coupent à la fin, juste avant Tony la fin des vidéos. Pro Skater, incroyable. Ils sont où les DLC? Ils sont où les DLC, bordel? Je veux payer des DLC, moi. Bah ouais. Dans la journée. Ah bah parfait. Kirby? Non, c'est pas trop Kirby, ça. C'était qui? Kirby est rendu Silent Hill, genre. Silent Kirby. Ça avait l'air cool, en vrai. Putain, on pouvait faire les trucs de labyrinthe de Bioshock. Kirby, trop cute. C'est vraiment trop cute, Kirby. Là, moi, je trouve que ça a bien changé, quand même, Kirby. Je vais vous laisser, je vais retourner dans le chat. Ok. Ah, Mario et Lapin Crétin, Ubi l'a annoncé. Bye bye. Nintendo l'a annoncé en plus, il le réannonce. Donc c'est un humain, un humain lapin. Il est trop kawa. Voilà, donc voilà finalement, si vous attendiez Mario Galaxy 3, bah le voici. Avec la meilleure harmonie du monde. Ce serait stylé, Kirby dans un monde zombie apocalyptique. Là, on relançait tous les gros jeux de certaines confs. Ouais, bah écoute, faut bien qu'ils soient dignes d'eux-mêmes en recyclant. Hein. Mardo et Lapin Crétin. Les étincelles de l'espoir en 2022. Regardez le titre anglais, hein, s'il vous plaît. Ah, le jeu en cours de développement. Et là, le trailer de Zelda. Non, pas du tout. Non, mais ah, non, mais je suis complètement con. C'est vrai que Zelda, ils vont le mettre à la toute fin pour l'effet de surprise. Ah oui. C'est vrai. C'est vrai. Je suis con. Le retour encore de Advance Wars est de retour. Putain, les sons, on dirait les bruitages des sauts dans Sonic Adventure. Ah bah, c'est un jeu Game Boy Advance, ça. Hein. C'est extraordinaire. Ah, tandis que en bas, j'espère que vous entendez pas, ça gueule encore, ça prolifère des menaces de mort, visiblement. Ah oui, mais je trouve ça bizarre, ce genre de l'histoire, qu'ils aient fait un remaster en juste en refaisant les mêmes niveaux, alors que, en soi, ça doit pas être si compliqué de ça, de refaire un jeu de base à zéro. Je ne sais pas. Regarde la plus grosse annonce du direct sous tes yeux. Ouais, c'est des bons jeux à Advance Wars. J'espère que c'était juste un effet de ralenti et pas le jeu qui ramait, hein, ce qu'on a vu. J'espère pas. Hein. J'espère vraiment que c'était juste un effet de ralenti en mode quand il y a un impact. En décembre 2021. Tu vas bien jusque-là? Ouais, ouais, on va bien. Dernière annonce. Quoi, dernière? Déjà? Attends, on a pas vu le temps passer. Mais oui, ça passe vite, hein. Putain. Bon, c'est parti pour Breath of the Wild 2. Let's go. Ah non, c'est un DLC de Hyrule Warriors, l'ère du fléau. C'est... J'aimais pas, moi. Ah, merde. Quel dommage. Moi, il faudrait bien que je finisse un jeu. Ouais, c'est ça, moi aussi. Hein. Ouais, moi, c'est vrai que il faudrait que j'y joue aussi. Oh, mais non, mais mon dieu, mais vous pouvez pas montrer des images d'un jeu à 10 FPS, ça n'a aucun sens, bordel, on se croirait revenu sur Nintendo 64, pitié. Bah, le jeu il tourne comme ça, il faut bien l'afficher comme ça. Écoutez, on va en faire mieux, hein, c'est bon. C'est seulement on avait pouvoir. Si seulement on avait pu annoncer une putain de suite pro, on n'en serait pas là. Ah bah ça. Pas grave, il y a une moto. Il y a une moto. Le 18 juin, incroyable. Il y a les vagues. Incroyable, les vagues. Pulsation Antsec. Mais non, il y a une dernière surprise. Regardez, le créateur de Zelda, il est là. Voilà. C'est bon, il va venir parler, il va dire, écoutez, on a un Square Sport, on a TP, on a Breath of the Wild 2. Voilà. La totale. On a la totale. L'ère du fléau. Ou bien il va dire, bon, écoutez, Breath of the Wild 2, il avance, mais on peut pas le montrer encore, parce que, voilà. Jouer à l'ère du fléau, s'il vous plaît. Ouais, mais pas vraiment, en fait, Mister. Hein. Il y a d'autres choses à partager. Bah voilà, tout va bien. Regardez Skyward Sword Dolphin Edition par exemple. Moi j'aurais dit Skyward Sword Dolphin Edition avec Le jeu de base avec un texture HD.
Et un ami bouclité. Ouais, mais c'est un ami bouclité. Un mal jeu sur les FPS Paradox. Bah en fait c'est juste que je m'adapte à la à l'époque, on va dire. Là on est en 2021. Faut arrêter quoi. Voilà, je m'adapte en fait, Naiko, c'est tout. C'est sûr que je, mon regard change suivant le contexte de sortie du jeu quoi. Quand ça donne envie d'acheter le jeu là. 16 juillet, c'est soon soon, c'est dans un mois. Regarde la prochaine annonce. Ouais, c'est bon, c'est bon. Il y a un graphisme qui va avoir son oui. Bah oui, avec un filtre HD. Ouais, mais c'est marqué HD. Ensuite, il est temps de vous montrer. Ah oui, le petit. Voilà, regardez. Regardez Zelda 1 sur une petite Game & Watch, comme Mario finalement. Trois jeux de la série Zelda. Ah, cette année, enfin, un truc pour les 35 ans. Il est temps d'arrêter de vous faire tourner en bourrique pour rien. Voilà, voici la Game & Watch. Avec un timer dégueulasse en plein milieu. Et pourquoi le thème principal, il est ralenti comme ça? Il n'y a pas beaucoup d'effets sur un Game & Watch, vous savez, monsieur. Zelda 1, Zelda 2. Link's Awakening. Le meilleur Zelda, bien sûr, hein, selon beaucoup de Français. Et le jeu Game & Watch, voilà. Là voilà notre compil, voilà la compil des trois jeux, finalement. Voici la compil des trois jeux, vous avez 3D All-Stars, vous aurez Game & Watch Zelda, voilà, écoutez. Faites-vous plein. Il y a une horloge en plus. Trop gros. Oh regardez ça, l'heure change. C'est incroyable. Et ça sert à quoi? Bah afficher l'heure. Comment ça, un minuteur 4 Zelda, oui, oui, il y a le truc en bas à droite qu'on a vu que j'ai déjà oublié son existence. C'est genre pour speedrun, tu te dis, tu te mets un timer pour. Vous pourrez jouer avec où vous voulez, quand vous voulez, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut vous l'avouer. Bah, et dans le métro, il y a une toute petite dernière chose. Ah, enfin, il est temps. Alors, attention, quand 2022? Moi je dis 2022. Ou si pas plus. Si pas plus. Je crois que ça fait 2 ans qu'il est annoncé. Il est temps de voir un nouveau trailer. Alors attention, je m'attends à l'analyse de Sifano qui va dire qu'on voit des Célestiens dedans. Les fameux Célestiens. Eh bien, c'est exactement le même trailer qu'il y a 3 ans. Il est temps de nous voir salir nos pantalons. Putain, il y avait un personnage, j'ai raté. J'ai tout raté. Dans Zelda tombe. Jusque là, ça va, c'est compréhensible. Elle est morte, ça, tout va bien. Voilà. Tu vois notre Skyward Sword HD? Bah là, on l'a, Skyward Sword HD. Il est là, finalement. On l'a, Skyward Sword HD. Oh putain, ça a tellement changé. Tu vois, Sifano avait raison, il y a des îles dans le ciel. Putain, Sifano avait raison, je n'y crois pas. À force de dire des vingtaines de. Oh, mais ça devient Ratchet et Clank qui avait un lance-flamme! Allez, on peut passer à travers les murs, bah au moins on pourra pas dire que c'est des glitches cette fois-ci, c'est dans le jeu. donc, est-ce que le château s'élève dans les airs ou est-ce qu'il tombe? Il s'élève, voilà, on est bien d'accord. C'est l'après-quel à Skyward Sword, tu vois, c'est, voilà. C'est les sbours qui s'envolent. Voilà. Ou c'est le destin? Aussi. Ils vont annoncer la date. Je veux voir la date, moi. Mais en tout cas, il a l'air génial. Hein. En tout cas, Zelda, moi, voilà. Comme vous savez, c'est une assurance vie. Hein. 2022, my god! Incroyable. Ouais. Qui l'eut cru? Qu'en avez-vous pensé? C'était extraordinaire, monsieur. J'oublie votre nom à chaque fois. Préquel Skyward Sword. C'était bien cool. Date de sortie, nous visons, hein, c'est pas certain encore. Hein, ça se peut qu'il soit retardé, hein, qu'il soit repoussé. Comme le premier Breath of the Wild qui a été reporté. Voilà, qui conclut ce Nintendo Direct. Bah voilà. Putain, ça fait des années qu'on attendait un direct qui ait de l'allure à peu près. Merci Nintendo. Rien, hein. Le 3 a duré en 40 minutes. Hein. Finalement. Putain. Content que t'as vu juste le Nintendo Direct. Et voilà, cette présentation est maintenant terminée. Bah écoutez, c'est formidable. Plein de trucs, hein. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était
Pas franchement. Il y a plein d'anciennes licences qui reviennent, c'est cool. Franchement, ça fait plaisir. Moi, Metroid va être très intéressant pour ceux qui aiment Metroid, j'aime bien. Monkey Ball, je me tâte de voir ce que ça va donner parce que j'ai joué sur GameCube un petit peu à ça, mais j'ai jamais été bon là-dedans, c'était vraiment difficile, je trouvais. Mais oui, j'étais petit aussi, donc voilà. Et bon, bien sûr, bon, Skyward Sword HD, on le savait déjà. Et on a BOTW2, on a des belles images, et c'est beau. En tout cas, on voit que le Link a bien changé de style, j'ai l'impression. Ça paraît encore plus apocalyptique qu'avant. C'est genre... C'est ça, c'est, tout s'est pété la gueule. C'est genre parfait, quoi. C'est genre, voilà, c'est finalement, c'est Chrono Trigger. Voilà, avec les îles dans le ciel. Ouais, t'es fait chier à tout reconstruire, bah tiens, on va tout péter. C'est ça. Le 2 sera seulement une suite directe. Ouais, ce sera une suite. Ouais, il y en a beaucoup qui disent que c'est un préquel, mais c'est une suite, je pense. Mais t'as non, fin, Naiko. C'est triste. Bah écoutez, voilà, c'est pas mal ça. Et écoutez, bah c'est cool, c'est vraiment cool. Alors désolé, je suis pas en mode oh my god, oh my god, c'est incroyable. Non, désolé, je suis pas. Je suis pas putaclic en fait, c'est bizarre, hein, mais. Peut-être qu'on va faire. Attends, on va faire. Voilà, ce sera pour la miniature, comme ça, on va être content. Voilà. C'est avec le fond blanc, tu pourras bien détourer. C'est vrai, attends, je vais essayer de faire un truc avec le fond blanc. Je le mets là, et je fais. Ça va être parfait. Parfait. Voilà. Parfait miniature. Parfait. La miniature est validée. Voilà. C'est validé. Voilà. Donc, bah écoutez, YouTube, on en reparlera sûrement à l'occasion dans des parties de let's play, de live, ce que tu veux. Mais pour l'instant, bah écoute, ma conclusion, elle est simple. C'est bordel, Nintendo. Enfin, il était temps que vous fassiez un live qui ait du sens et qui ait de l'allure. Bon. On serait presque prêt à oublier que vos vidéos étaient en 10 FPS parfois, mais on est presque prêt à l'oublier. Mais franchement, c'était bien. C'était cool. Merci, un plat de spaghetti pour ton follow. Ça fait plaisir. C'était cool. Allez, au revoir YouTube, bien sûr. Au revoir, ton frère. Bye bye. Bye bye. Au revoir YouTube.